je n'ai été député que 15 mois. Mais quel mandat ! Par le prophète, quel mandat ! Il y a de bons républicains qui passent des années à mouliner de l'amendement pour se faire connaître. Moi, dès le premier jour, j'avais mon portrait à la une de tous les journaux. Il est vrai que j'avais un turban sur la tête, ce qui changeait tout. J'étais pourtant l'élu des très catholiques habitants de Pontarlier, dans le département du Doubs, à la frontière suisse. Grâce à eux, grâce à leur tolérance, le 20 décembre 1896, l'islam entrait au Parlement. La France de 1896, on n'avait pas conscience, mais elle était devenue une puissance musulmane importante. En Algérie, dans les protectorats du Maroc et de la Tunisie, en Afrique noire, à Djibouti, aux Comores, et jusque dans le comptoir indien de Chandernagor, plusieurs millions de musulmans vivaient sous le drapeau français. Pour autant, ni électeurs ni éligibles, des indigènes au Parlement, hors de question. Le projet colonial, l'existence de l'Empire français, n'a rien à voir avec la France d'aujourd'hui. Il y avait la domination de peuples, de nations, et il y avait même leur négation. Peu de gens, même parfois, savent que les gens qui vivaient dans les colonies n'étaient pas français, n'étaient même pas étrangers. En fait, ils étaient indigènes, c'est-à-dire ils étaient rien. Bon, et même pour une partie d'entre eux, ils sortaient à peine de l'esclavage, c'est-à-dire ils venaient juste de gagner le ticket d'être des êtres humains. Mais la nationalité n'existait pas. Moi qui suis né à Pontarlier, j'ai grandi avec eux. Ces indigènes de l'Empire. Mon père, officier de cavalerie, servait en Algérie et toute la famille l'avait suivi là-bas. Alger, Mazagran, Mostaganem. Mes plus anciens souvenirs sont des visions d'Orient, des villes blanches s'animant à l'appel du muezzin, de vastes étendues écrasées de soleil où s'avancent les caravanes des méharistes. J'ai passé ma petite enfance au pays des mille et une nuits, respirant l'air embaumé des souks, des senteurs d'épices mêlées aux effluves des narguilés. Maman m'apprenait le français, ma nounou l'arabe. J'ignorais qu'il y eût une Méditerranée pour séparer ces deux mondes. L'Afrique du Nord et la France, l'Orient et l'Occident. Tout s'est brisé avec la guerre de 1870. Mon père, parti se battre en métropole, a été prisonnier des Prussiens. Ils l'ont détenu dans des conditions si dures qu'il en est mort. J'avais 5 ans. Nous étions rentrés à Pontarlier, où vivait la famille de maman. Une famille très pieuse, avec des tendances au mysticisme, qui nous éleva, mon frère Ernest et moi, dans l'amour du Dieu créateur. Dans les montagnes froides de la Franche-Comté, nous regrettions notre paradis perdu d'Algérie. Garçon sérieux, j'ai étudié la médecine à Paris. Plus rarement, mon frère s'est engagé dans l'armée chez les Turcos, les tirailleurs algériens. Il était en garnison à Blida. Il ne donnait plus beaucoup de nouvelles et maman s'inquiétait, cette sainte femme. Elle craignait sans doute qu'il nous ramène une jolie mouquère un peu trop exotique pour la bonne société de Pontarlier. Alors elle eut l'idée de m'envoyer là-bas pour chaperonner mon frère. Il s'était dit à cette époque-là que la mère du docteur l'avait envoyé en Afrique du Nord pour récupérer le frère de peur qu'il ramène une femme, j'allais dire, qui n'était pas franc-comtoise. C'est l'anecdote qu'on citait dans la famille. Pauvre maman, si elle avait su. Mais Allah l'a voulu ainsi. Abdida, j'ai retrouvé le bonheur. Ernest, parfaitement acclimaté, était devenu un oriental accompli. Et moi, j'allais dans la ville arabe. Je redécouvrais la langue de mon enfance. Je palabrais des heures avec les Algériens qui m'expliquaient leur vision du monde. J'ai lu le Coran. J'ai rencontré les muftis. Je me suis converti, oui, converti. À l'époque, l'Algérie était mal connue. C'était l'Algérie des traditions, des tribus, ce qu'on appelle des confréries religieuses.
qui avait une vie très différente de la métropole, naturellement. Et c'est ce mode de vie, cet aspect un peu contemplatif, n'est-ce pas, dans les hauts plateaux ou les déserts qu'a connu Philippe Grenier, que, comme pour le père de Foucault, par ailleurs, un éveil, on peut dire, religieux, mystique, s'est fait en lui. Et comme je ne fais jamais des choses à moitié, je suis parti pour la Mecque. J'ai vu la ville sainte de l'islam au fin fond de l'Arabie, où bien peu d'occidentaux s'étaient risqués avant moi. J'ai vu la pierre sacrée, la Kaaba du prophète. Je suis un Hajj, moi. Je porte le turban vert des pèlerins. C'était écrit, Allah l'a voulu ainsi. Quand je suis revenu à Pontarlier avec mon turban vert et mon habit arabe, ils m'ont tous regardé bizarrement. Je crois bien que j'ai fait pleurer maman. Mais j'étais médecin. Un médecin apprécié et charitable. Très charitable. Très charitable. Il pratiquait ce que l'on pratique aujourd'hui, c'est-à-dire le social, avec les moyens qui sont les nôtres. Il l'a pratiqué bien avant. Bon, on disait qu'il faisait payer une fois sur deux ses malades. Il avait toujours des bonbons dans ses poches, il distribuait des bonbons ou des pièces aux enfants qui étaient là, hein, et qui l'attendaient en quelque sorte. Ma foi nouvelle m'avait complètement détaché des questions d'argent et je soignais les pauvres gratuitement. Alors mes braves concitoyens de Pontarlier se sont habitués à mon costume, à mes ablutions rituelles dans le doux. Il se disait que tous les jours, il allait se baigner dans le doux et que l'hiver, il cassait la glace pour aller se baigner. Ils se sont aussi habitués à mes prières en pleine rue, la tête dirigée vers la Mecque. J'ai même été élu au conseil municipal. Louange à Allah, car Allah l'a voulu ainsi. Pontarlier a toujours été une ville ouverte à travers les différentes invasions, à travers les différents flux et reflux historiques, puisque c'était une ville de passage par rapport aux migrations nord-sud au niveau européen, et donc ville de passage, ville de religion aussi, d'échange. Donc le docteur Grenier, eh bien, je pense, a trouvé une terre d'asile, si je puis dire, ici même. À la fin de l'année 1896, notre député mourait en cours de mandat. Son fils Maurice Ordinaire se porta candidat, ainsi qu'Émile Grillon, président du Conseil général. Ce combat de notables n'intéressait personne, jusqu'à ce que je pose ma candidature. Moi aussi, j'étais un notable, médecin, conseiller municipal, avec trois députés dans mon arbre généalogique. Mais il y avait ce costume de bédouin, si bien que le préfet me considéra comme un fantaisiste. J'ai fait campagne, sérieusement. J'ai repris à mon compte le programme radical socialiste avec quelques aménagements inspirés par Allah, le miséricordieux, le compatissant. Je voulais la République confortée par la charité coranique et l'hygiène, améliorée par l'ouverture de bains turcs. Liberté, égalité, hammam pour tous. Au premier tour, Grillon arrive en tête avec 48% des voix. Maurice Ordinaire est deuxième à 35%. Et moi seulement troisième à 17%. La logique aurait voulu que je me retire. J'ai dit que je n'en avais pas le droit. Allah veut que j'enseigne sa religion à la chambre. Alors, il y a eu un magnifique coup de billard électoral. Maurice Ordinaire, sentant la partie perdue, se retire et fait voter pour moi. Au second tour, je suis élu avec 51% des suffrages. C'était écrit. Allah l'a voulu ainsi. L'élection de docteur Philippe Grenier, c'était peut-être de la part de la population un réflexe, hein, pour faire, comme on a l'habitude de dire dans notre région, la nique, hein, à la classe politique. Je suis allé à Paris, mon élection avait eu lieu quelques jours avant le Noël des chrétiens. Pour les journalistes, quelle aubaine! Un musulman élu à Pontarlier!
comme tout converti, un peu, disons, comment dirais-je, revendicatif de sa nouvelle identité. Et il s'est habillé de son burnous, avec sa coiffure arabe, et allé dans cet accoutrement, si je puis dire, dans ses vêtements traditionnels, à l'Assemblée nationale, où naturellement, il a été l'objet d'une très grande curiosité. Tous les journaux en ont parlé. On connaissait fort mal l'islam, alors on raconta, mais n'importe quoi. On a prétendu que j'avais un harem, moi qui étais célibataire. On a écrit qu'en entrant au palais Bourbon, j'avais baisé les tapis, moi qui en horreur ces repères de microbes. On a dit que j'allais porter mon écharpe de député sur la tête pour m'en faire un turban tricolore et que j'allais procéder à mes ablutions rituelles dans l'hémicycle. À dire la presse, on aurait cru que je passais mon temps à me laver les pieds dans une bassine que, paraît-il, j'avais toujours avec moi. Pendant tout mon mandat, mes pieds ont fasciné la France. Pour carnaval, les Parisiens ont consacré un char à mes lavements de pieds. Des chansonniers triomphaient sur l'air vraiment très spirituel de « Voici les pieds du docteur Grenier, l'arbitre de Pontarlier ». Quand j'allais faire mes ablutions au bord de la Seine, la foule était si dense qu'il fallait un cordon de police pour que je puisse regagner l'hémicycle. Docteur Philippe Grenier, lorsqu'il est arrivé à l'Assemblée nationale, a été connu de l'ensemble de la France, parce que lorsqu'il quittait l'Assemblée pour aller faire ses ablutions au bord de la Seine, c'est Salam Alek, il avait 40 journalistes. À la fin, excédé, les questeurs m'ont attribué une petite pièce pour y célébrer mon culte. Le palais Bourbon, qui avait fermé sa chapelle, ouvrait pour moi une mini-mosquée. Le président de la Chambre, Brisson, me détestait. C'était un républicain austère, un laïc intransigeant, que les députés eux-mêmes appelaient le corbillard national. « Mon cher collègue, le carnaval est fini », disait-il à chaque fois qu'il me rencontrait. Moi, je m'étais converti par goût, par croyance, et nullement par fantaisie. J'étais sincère. Je pense qu'il s'était converti.